Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Far Cry Primal, chers amis. Donc, moi ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de faire du début de montage de quelque chose. Vous verrez bien ce que c'est bientôt. J'espère le finir très rapidement en tout cas. C'est assez technique le montage hein, quand même. Putain, oh l'homme de Dieu. Bon, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va chasser l'ours. Et on va pas chasser n'importe quel ours. Il y a tant de easy là partout. Non, c'est une Winja. Cependant, ici ce sont des easy là. Est-ce que j'ai le bon arc? D'accord, merci. Désolé. C'est des choses qui arrivent. Désolé. Ça c'est un ami. D'accord. Ok. Merci. Bonjour. Crac. C'était moi. No Susai. No Susai. Pour grimper là, il faut que j'ai un lierre ici, c'est parfait. Donc, on va aller chasser l'ours. Le grand ours balafré, si je ne me trompe pas au niveau du nom. Alors. C'est parti. Apparemment je peux grimper plus haut. Dis donc, c'est quoi cette espèce de ponton en pierre? Si je veux me balancer, c'est dans ce sens là. D'accord, mon tigre est en train de se laisser bouffer par quelque chose. Est-ce que je peux le... Oula. Je ne peux pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'accrocher ailleurs. On va grimper. Et je vais essayer de grimper suffisamment vite pour pouvoir sauver mon tigre. Mais je crois que je vais devoir payer parce qu'il ne se défend pas. Voilà, renvoyé dans le menu, parfait. Ok, on est au bon endroit. Je peux la rappeler. Hein? Espèce d'abruti. Tu te défends même pas. Bon. J'entends des cris. Je vois que nous sommes à 300 mètres. Oh, par contre, la fin de zone est assez moche. Grotte? Ah non, il y a une grotte. Oh, il y a une grotte. T'intéresse? S'il y a une crotte. On n'y voit vraiment que Pouic. Hein. Grotte perdue. Les grottes perdues sont des labyrinthes naturels que vous trouverez dans toutes les terres de Ross. Vous aurez besoin d'une source de lumière pour explorer ces grottes, enflammer vos armes, puis figurez pour trouver des peintures uniques et d'autres objets. D'accord. C'est pas ce qui était prévu dans cet épisode, donc on va revenir à la faire tout à l'heure. Parce que là, honnêtement, c'est pas du tout ce... Il y avait un serpent. Qui a agi étrangement. Il continue d'agir étrangement. Et voilà. Ah, c'est drôle. Parce qu'il était, il était véritablement offensif celui-là, hein. Il était agressif. Hop, bon, enfin bon, c'est bizarre. Ok. Nous sommes à 150 mètres. Espérons qu'on trouve un endroit pour monter parce que sinon on va être bon. Qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour.
question, qu'est-ce que vous foutez là? Warpath est sous Winja. Oui, oui, c'est bon, je suis le chef des Winja, effectivement. Bon, bah écoutez, faites comme vous voulez, hein. Restez loin du village, hein. On est à l'opposé du village, hein. Littéralement à l'opposé. Et il y a rien dans le coin qui puisse les protéger. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Des tortues! Hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de ces cris par là? Là-bas, je vois une liane. Là-bas, je vois une liane. On va essayer de grimper. Hop. Elle. Quand même pas toi. C'est quand même pas toi. Allez, grimpe. Ça y est. La liane. Mais on devrait être plus ou moins au même niveau. Par contre, on est vachement haut au niveau de Ross. Là, je pense qu'on est au plus haut. Ah, pas sûr. Ah bon, c'est quand même joli. Hein. C'est quand même joli. Il y a une chasse de bêtes, de maîtres de bêtes dans les environs. Effectivement. C'est pour ça que je suis là. Explorer la crotte. Enflammons notre méga gourdin. Chercher. Ah bah génial. Comment se fait-il qu'il y ait des bulles d'air? C'est étrange. Pourquoi pas? Ah, il est déjà essoufflé. Hop! On va rallumer notre chalumeau. Il reste pas éclairé? Si, si, apparemment si. Ok, on y va. Hello! Hello! On y est. Très exactement ici. Enquêtons. Un ours gigantesque apparemment. Hein, qui a tué par dizaines de milliers. Ours des cavernes, scène bien. Pister le grand ours balafré à l'aide d'indices. Alors on est sorti de la truc, du coup. Allumer le feu de camp, ça pourrait être sympa. Je vérifie qu'on soit plein partout. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on le soit pas. Une peau d'ours brun, c'est bizarre quand même, hein. Est-ce que c'est un signe, selon vous? Aucune trace au sol. Ça, ça a le mérite d'être clair. Et on est où, là, pour savoir, à tout hasard? D'accord, dans une espèce de grande réserve. Avec des avant-postes. Génial. On a un avant-poste par là. Tiens, bouffe.
crois qu'il y avait un de vos copains encore derrière. Polo ? Je me trompe rarement à ce sujet. Une tortue. Qu'est-ce que c'est ? Poudre de roc du sud, d'accord. Yo l'ami. Merci. Yo l'ami. Allez me récupérer plus de flèches. Yo. Où est l'autre? Là. Ouais, dommage qu'on puisse pas récupérer les flèches de leur carquois. C'est vraiment dommage. Ah. Quoi? Quoi? Bon, ça commence à faire beaucoup de flèches gâchées. Hop les, au revoir. Ce que je ne comprends pas, c'est comment j'ai pu gâcher autant de flèches. Je le casse. D'accord, faut que je casse les masques d'ici là, je vais y arriver. Par contre, ouais, ça me fait chier, on a perdu un bon paquet de flèches. J'avais une bébête dans le coin. Et ils sont nombreux. Vas-y, va la bouffer parce que ça me saoule. Pourquoi t'y es pas allé? Merci de bien vouloir l'achever. Par contre, moi ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a pas tant de flèches que ça. Là, c'est mieux. Cependant, sur la carte, on en est où par rapport au camp? Là. Ok. Oh, vas-y, va te les faire. Oh! Ça a dû lui faire une rate. Oh, mais putain d'abruti! Vas-y, nourris-toi, y'a pas de soucis. On est à côté du camp, génial. Ceci explique cela. On a failli me repérer apparemment. D'accord, je crois que je commence à comprendre pourquoi. Allons voir. Comment j'ai fait le stock de bombes? Alors. Putain non, leur camp il est encore loin. Vous avez pas un ou deux berserk? Ah voilà. Hop, elle s'est bouffé un arbre, mais c'est pas grave. Parce qu'ils vont être suffisamment effrayés pour s'attaquer entre eux. Allez. Non. Ouf.
Ok, pendant ce temps-là, il y a mon malade mental qui est en train de faire son boulot. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas mal. Je suis en train de la voir quand même, hein. Boum! Ils l'ont eu? Ils l'ont eu. Quelle horreur. Ils ont buté leur copain. Ah non, il est là. Ah, ça y est, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils l'ont eu. Qu'est-ce que... Me dis pas qu'ils viennent me chercher. Ok. Un autre qui fait chier. Ça bouffe ça. Je me suis planté de... Hop. Je me suis planté de... Quoi? Je me suis fait tout le camp? Oh la gueule! Je suis même pas entré dedans! Même pas entré dedans. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Discrétion plus 1500 dp parce que maintenant ça m'a repéré, d'accord. Ok, cool. Cool, cool, cool. Merci pour tous vos pots en argile. Je suis même pas rentré dans le camp. Comme ça. Problème résolu. Bonjour. Je crois que c'est ma bestiole qui l'a tué, celui-là aussi. De mémoire. La taille de cette grotte. Waouh, la magie de cet endroit. La magie de cet endroit. Alors l'autre qui a attaqué ses potes là, à mon avis, il a dû faire une quantité de dégâts complètement incroyable. Merde, le tronc de menu. Ici, d'accord. Alors moi ce que je cherche c'est le fameux chef. Mais bon, je crois que je vais pas le retrouver tout de suite. Ok, c'est pas grave. On a eu ce camp là, il me semble qu'il y avait un autre truc là-bas, mais c'est un peu plus haut. Ok, on y retourne. Les mecs, vous avez pas remarqué qu'il se passe un truc? Hop. Merci de revenir plus tard. Ah, il l'a eu. Lui, il l'a eu aussi, mais dans la tête. Ok. Mais le... Oh, bah mange-le, écoute. Je te dis. Que ça régène ta santé, au moins. Pas l'impression. Ah si, petit à petit, regardez. Plus il mange, plus ça le régène. Allez, mange. Mange, le bonhomme. Mange. Oh, il mange. Oh, il mange. Allez, mange. Moi, je gaspille pas de viande comme ça.
Ah oh, bah t'en veux plus. Ah oh, puis en plus il est difficile ce... ce chat. Ce gros miné. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Un rhino à deux cornes. Ça c'est une bête qu'il nous fallait, chers amis. Ça c'est une bébête qu'il nous fallait. La vache. Je crois qu'il y a un chat. Voilà. Pourquoi tu m'intéresses? What? Bon, ça fait un petit peu trop de fois que tu viens charger mon... Voilà. Mon ours. Alors qu'ils sont censés être une machine, un tank. Hein. Ils sont censés être un sac à PV, hein. Je précise. Allez, récupération. Viande x4. Peau de rhino x2. Ça, c'est parfait. Alors il me semble qu'on en avait besoin, mais alors pourquoi? Faut que j'améliore mon gourdin, c'est vrai. Sac à viande, ouais, si tu veux. Peau de yak. Alors, si c'est pas là-dedans, est-ce que ça serait plutôt ici? Ah, d'accord, ils sont pas encore ramenés au village. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Il me fallait pourtant des peaux de yak. Je suis persuadé qu'il me fallait quelque chose. Peau de croissant, de poisson croc, d'accord. Peau de bête, pierre sud, d'accord. C'est marrant, je suis persuadé qu'il m'en fallait. Peau de léopard, j'en ai pas trouvé de léopard, effectivement, en fait. C'est marrant, ça. Alors ça, c'est rigolo. Je suis persuadé qu'il m'en fallait, mais je ne sais pas pourquoi. Pierre sud rare... Ah puis ça veut pas revenir, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bon bah écoutez. Écoutez, je suis persuadé qu'il m'en fallait, mais... Impossible de mettre la main dessus. Enquêtons. Chasse à tapis. One tar war like what? Urgi like one gouache. Ouais. Plus honneur. Honneur, effectivement, c'est un tout petit peu plus honneur. Honneur, pardon. En fait, j'essaie d'y aller petit à petit pour m'assurer de pas approcher trop du feu de camp. Pas lui qui a pu ravager à ce point-là la zone. On n'en est pas à ce point-là au niveau de la taille de la bestiole, quand même. Oh la gueule, bah, peut-être que si, en fait. Enquêtons. C'est rare, cassé. Wow. Non, non, y a pas de zizi là. Problème résolu. T'inquiète. C'est le mien qui a fait autant de bruit d'un seul coup ou... Enquêtons. Ours résiste chasseur, empreinte vers le nord. Apparemment je suis déjà full niveau sagué aussi.
Hop. Voilà. Hop, vas-y, attaque mon ours. Oh, ce qu'il lui a mis. Je crois que ça a pas duré très longtemps. Ça a été d'une rare violence. Oh putain, il me fout les boules à chaque fois qu'il apparaît, disparaît comme ça. Il me semble qu'on approche du feu de camp. Ouais. Ouais. Bon, tant pis. On va devoir faire ça comme ça. Arbre bugué. Oh non. Vas-y, bute-le, voilà, merci. Merci de repasser plus tard. Enquêtons. Ça se reprenne des forces. Je pense qu'on a tout, ce qu'il nous fallait. Apparemment, on a tout ce qu'il nous fallait. On a un point de compétence supplémentaire, ce qui nous en fait 4. Causeront plus de dégâts. Ça peut être intéressant. Ça peut être extrêmement intéressant. Avec la fonte, les terres à tête transpercent les protections ennemies. Ça peut être intéressant aussi. Surtout que je vise ce truc-là, vous vous en souvenez. Résistance aux dégâts. Ça peut être intéressant aussi. On va le prendre parce qu'on va avoir besoin de se défendre bientôt. Face à une grosse bébête, normalement. Alors, le feu de camp est là-haut. On va essayer de se le faire rapidement. Quitte à reprendre la chasse dans le prochain épisode. Ok, on y va. Caillou! Hop! Ok. Envoyons notre chouette. Je sais comment ça va se finir cette histoire. Hop, il y en a un qui est pas attaqué. Dommage. Attaquez-vous entre vous, c'est très très bien. C'est ce que c'est que le feu? Merde, il a pas été touché. Je crois qu'il savait ce que c'était. Oh là là, le combat. Et il y en a un qui a brûlé, ça y est. On va brûler les deux comme ça, hop les. Ouais, il ressent rien. Hop les, voilà. En toute discrétion. Est-ce qu'on l'a incendié? Oui, apparemment on l'a incendié, mais en même temps on a incendié tout le camp, donc bon. Techniquement ça devrait le faire. 900 d'XP, c'est toujours ça de prix. Oh, ça m'a TP là, par contre, ça c'est moyen. La suite, c'est par ici. Ouh là là, Yao. Non, ça va. Non, ça va, ça baigne. Ok, là par contre, Yao. Et on descend. On arrive en bas? On arrive en bas. Pas tout à fait. Comment ça s'appelle? On n'est pas tout à fait arrivé en bas. Oh là là. C'est bon.
Ok. Bon. On en est où dans le temps? Oh là, ça fait 30 minutes à peu près. Il va falloir que je commence à réfléchir à une fin d'épisode. Bon. Oh, bonjour. Qui est à sud? Il aime le miel. Des yaks? Ce serait des yaks? Ce serait des yaks avec un grand tour. Personne n'a rien vu. C'est mieux comme ça. Alors. Oh, je pense qu'on arrive dans une grotte, pas loin. Je pense qu'on s'approche d'une grotte. Oui, il y a des zones de piège. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode en tout cas. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, ne pas trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.